réussir ce saut les yeux fermés. Même que j'ai gagné l'étoile d'or au Festival des Cowboys. Oh, c'est vrai? Yeah. L'étoile d'or? Ma Pétunia et moi. Je ne l'ai jamais vue, ton étoile. Oh, elle est vraiment belle. Super brillante. L'étoile d'or? Oh, cacahuète, le cowboy nous en cache des choses. Le capitaine va être content d'apprendre ça. J'aimerais ça la voir. C'est que... la vraie? Je ne l'ai plus. Mais j'en ai fabriqué une pareille. Mais avant de te la montrer, je te parie que je peux refaire ce saut, mais assis à l'envers sur mon cheval. Oh, à l'envers. Jingo. Stop, on ne bouge plus, on ne touche pas à la victime. D07, intervention nécessaire. Pas de cassure. Pas de sang. La respiration est normale. Regarde-moi. Ah, la pupille réagit bien. Excellent. Comment je m'appelle? Chef. Il a eu plus de peur que de mal. Il sera probablement un peu courbaturé, mais sans plus. Oh, je suis contente. Non, mais ça va, je suis capable tout seul. Un peu de repos et notre cow-boy sera comme neuf. 10-10, situation maîtrisée. Bien. Je vais te raccompagner chez toi. Mais je suis en pleine forme. Jingo. Tu as besoin de te reposer. Hercule vient de le dire. Bon, d'accord. Merci, Pixel. Veille bien sur lui. Je dois absolument trouver quelque chose pour éviter d'autres accidents ridicules. Je veux te montrer mon saut avant de... Oh, ça va, Jingo? Oh, oui, oui, en pleine forme. Je vais te mettre dans le chargeur stellaire pour te scanner, d'accord? Juste pour vérifier si tout va bien. D'accord, mais après je refais mon saut. Mon beau trésor d'amour. Capitaine Matt. Mon capitaine. Je t'aime plus que tout, mon trésor. Ah, capitaine. Ah, oh, capitaine. Ah, oh. Mais qu'est-ce qui te prend de me surprendre comme ça, cervelle de macro? Mon capitaine, c'est pas ça. Mais, oh, capitaine, mon capitaine. Tu ne vois pas que je suis occupé. Cervelle de crevette sans respect. Capitaine. Excellent! Tu peux entrer dans le chargeur maintenant. Mais j'ai pas envie d'aller dans le chargeur stellaire. Ça ne fait pas mal. Tu ne sentiras rien. Puisque tu insistes. Arrête de bouger, Jingo. Mais oui, Et puis, qu'est-ce que ça dit? Et que je suis le meilleur cowboy à celle qui grandit, hein? C'est ça? Le scanner confirme le diagnostic d'Hercule. Tu as seulement besoin de repos. Je suis même pas fatigué. J'ai promis à Hercule de te raccompagner chez toi afin de m'assurer que tu te reposes. D'accord. Mais après, je te montre mon saut de champion exécuté à l'envers.
Jingo a une étoile en or. Ta barbe. Qu'est-ce que t'attendais pour me le dire? Allons-y. J'aime ça voler des trésors. Capitaine. Capitaine. Allons-y. Oh, Pixel, notre patience repose. Oui, même s'il n'en avait pas du tout envie. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des panneaux pour donner des indications de sécurité aux piétons. Information enregistrée dans ma mémoire. Avec ça, fini les accidents avec les étourdis qui ne regardent pas où ils vont. Oh, les panneaux, c'est bien. Mais si on veut éviter d'avoir un accident avec le Bipsou... Oui? On doit savoir quand il arrive. Et s'il va par là ou par là. Oui, et pour cela, j'ai ma lumière. Mais la lumière n'a pas empêché l'accident avec Jingo. Effectivement, tu as raison. Les gondiens doivent être avertis de mes déplacements. Plus question que Nitordi comme Jingo ne voit pas le Bipsou venir. La sécurité à Salmigondier, c'est une question de priorité. Les accidents ridicules, c'est fini. Un seul accident, et c'est déjà un trop. Je peux t'aider si tu veux. Merci, mais je m'en occupe. J'aimerais par contre que tu retournes voir Jingo pour t'assurer que tout va bien. D'accord, j'y vais. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Bipsou? Je... Ce sera une surprise. Oh, j'adore les surprises. Wouhou, Pétunia. Filou, Filou, Pixel arrive. Filou. Pixel, bonjour. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. J'adore faire le ménage. Tu ferais mieux de partir. Jingo a eu un accident avec le Bipsou et il a besoin de se reposer, pas de se faire déranger. Hey, d'accord, compris, peu dérangé. Oh, un cowboy qui n'était pas fatigué. Tu dors bien. Comment va notre patient, Docteur Pixel? Il dort profondément. Le repos va lui faire le plus grand bien. Bien. Mais j'ai dû chasser Filou qui faisait le ménage chez lui. Filou qui faisait le ménage? T'es sûr de ce que tu dis? C'est ce qu'il a tenté de me faire croire. Il est reparti les mains vides. Excellent. J'ai trouvé comment avertir les piétons des déplacements du Bipsou. Oh, bravo, Hercule! Et comment tu vas faire? Avant de tourner ou de me déplacer, je vais annoncer l'arrivée du Bipsou. Regarde bien. Bipsou par ici! Bipsou par là! Oh! Oh! Coup débloqué.
10-10, situation maîtrisée. Enfin, presque. Oh. Finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Si tu continues comme ça, toi aussi, tu vas avoir besoin de repos. Tu as raison. Je ne peux pas me permettre une blessure. Un secouriste doit être au meilleur de sa forme en tout temps. Exact. Tu as une autre idée? Pour le moment, non. Mais je vais trouver. Qui cherche, trouve. Ouh! Moi aussi, je crois que je peux faire quelque chose pour qu'on évite les accidents ridicules. Ah oui? Quoi? C'est une surprise. T'es certain d'avoir fouillé partout? J'aurais craché, capitaine, j'ai cherché partout, même sous son oreiller. Bon, il ne reste qu'une chose à faire. Oui, capitaine, une chose. Mais laquelle? Prendre le cow-boy par les cornes. On fait quoi, capitaine? On le réveille, tête de sushi, et on lui tire les verres du nez. Vous êtes un génie, capitaine. Mais il faut y aller doucement. Il a eu un petit accident. Kiko! Un monstre! Un monstre! Du calme, le cow-boy! C'est nous, tes amis! On est venu prendre ton... prendre de tes nouvelles. Oui, c'est ça! De tes nouvelles! Oh, c'est gentil, ça! J'étais en train de rêver à Petunia. On faisait des sauts. Oh! Comme celui que tu avais au festival des cow-boys? Ouais. Des sauts gagnants d'étoiles. Ouais, une étoile d'or. Vous voyez, capitaine, je vous l'avais dit. Ferme ton clapet, le crapet. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On fait quoi, capitaine? On va faire une petite promenade de santé, hein, mon Jingo? Oui, une promenade de santé. C'est même Hercule qui nous a dit de venir te chercher. Ah oui, c'est Hercule qui vous a dit ça? Ouais, il a dit que l'air de la mer te fera du bien. Rien de mieux pour se remettre d'un accident avec un bipsou. C'est vrai qu'un séjour au bord de la mer, c'est toujours agréable. Ouais. Entouré de bons amis, ça vaut de l'or. Hein, le cow-boy? Oh oui! Faudrait pas que notre beau cow-boy attrape froid, hein, mon petit filou? Oh non, capitaine! Merci! Allez! Maintenant! Si tu veux qu'il nous dise où il a planqué son étoile, il faut qu'il soit totalement détendu! Vous êtes sûr de ça, capitaine? Qu'en lui touchant les pieds, il va nous dire où il a caché son étoile. C'est qui sur vous ici? C'est vous? Ouais. C'est bon. Comme ça, le cow-boy, tu t'es blessé en faisant un saut à cheval. Pas fort comme cow-boy. Oui, c'est ça, oui. Raconte-moi tout en détail. Hein? Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis là pour ça. J'étais en train de faire mon saut gagnant à l'envers quand l'accident est arrivé. Et j'ai pas fait exprès. Oui, l'accident, mais ton saut, hein? Essaie de rester positif. Tu n'as pas déjà gagné quelque chose pour ton saut? Oh oui, une étoile d'or brillante. Ah! Et continue, j'aime ça. Tu disais déjà... Oh, une étoile d'or. Oh, l'or, c'est précieux, comme toi. Il faut que tu lui fasses attention, hein? Ouais, c'est pour ça que je la cache. Et que je la cache dans une jolie petite boîte. Une jolie petite boîte derrière le piano. Cacahuète, capitaine, ça y est! C'est bon! Vrai
reste ici. Je reviens. Non mais capitaine. Ma surprise pour éviter les accidents ridicules. Un cadeau pour Jingo. Qu'est-ce que c'est? C'est un avertisseur de déplacement. Excellent! Et ça fonctionne comment? Quand Jingo aura l'intention de faire des cabrioles sur la place, il n'aura qu'à appuyer deux fois ici pour nous avertir de ses va-et-vient. C'est ingénieux et très sécuritaire. Ton invention sera utile à plein de gens. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. En tout cas, chose certaine, avec ça, on va l'entendre venir. Oh, mais oui! Quoi? Grâce à ton invention, moi aussi, je sais comment rendre le déplacement de mon bipsou sécuritaire. Ah oui? Comment? Je te montrerai tantôt. As-tu bientôt terminé? Oui, il ne me reste que le haut-parleur et le capteur de proximité à placer. Bon, en t'attendant, je vais installer quelques panneaux sur la place. Et ensuite, je rendrai visite à Jingo pour m'assurer qu'il va bien. À moi le trésor. Enfin, je te mets la main dessus. C'est quoi ça? En souvenir du premier prix Festival du Cowboy. Dans de vieux numéros pourris. C'est ça son étoile d'or? Un vulgaire bricolage de cowboy? Ah, c'est pas possible. Il y a sûrement autre chose à voler ici. Parbleu! Après ton somme, une bonne douche ne te fera pas tort, Jingo. Lui-même! Mais... qu'est-ce que tu fais là? Je crois que je commence un rhume des foins. T'aurais pas un mouchoir pour moi, l'infirmière à gros bras? Oui, Jingo. Jingo... Ah, le cow-boy! Oui. Ne fais pas l'innocent avec moi, Matt. Où est Jingo? Il se repose chez moi? Oui, c'est ce qu'on va voir! C'était juste un petit choc! As-tu pas cette poche de patate? Philou! Philou! Ah, Philou, j'aimerais ça en avoir un autre, s'il te plaît. Oui. Ah, Hercule avait raison. Hein. Y a rien de mieux qu'un séjour au bord de la mer pour se remettre d'un accident. Oui! Vous avez trouvé l'étoile, capitaine? Chut, tais-toi, mouche tout douce. Hey, tu m'as l'air bien reposé, Jingo. T'as eu une super idée de demander aux pirates de m'envoyer ici. Tu veux goûter? C'est super bon. T'envoyer ici? Je n'ai jamais dit ça. Il va bien, ton cow-boy, non? On ne lui a pas fait mal? Même que j'ai pas arrêté de le servir et lui masser les pieds. Oh, vous n'êtes que de sales menteurs! Mais c'est pas gentil de nous traiter de menteurs après tout ce qu'on a fait! Peu importe, c'est ce que vous êtes, des menteurs! Hey, du calme, le pompier! T'as de la fumée qui te sort par les oreilles! La fumée, c'est dangereux pour la santé, hein, c'est ça? Fuse bin que ça fait du bien! Maintenant, je me sens en super forme pour refaire mon saut. Je suis content que tu sois complètement rétabli. Mais avant que tu refasses un saut, Pixel et moi... on a des choses à te montrer pour que tu n'aies plus d'accident. C'est vrai? Oui. Entre autres, une invention, si j'ose dire, brillante. Allez, on y va! On aime ça, nous, les choses brillantes! Stop! On bouge plus! Vous ne trouvez pas que vous en avez fait assez pour une journée? Tentative de vol, mensonge et enlèvement? Mais c'est vrai qu'on en a fait pas mal pour aujourd'hui, mon petit filou. Interdiction de circuler jusqu'à nouvel ordre. Sinon, vous aurez affaire à moi. Dans le satané pompier de malheur.
T'en as mis des panneaux? Et ce n'est qu'une de nos brillantes idées. Et comment ça fonctionne? C'est simple. Tu regardes le panneau et tu fais exactement ce qu'il t'indique. Allez, viens. Allez. Oh, 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 oh. Regarde. Hein? Tu regardes des deux côtés. S'il n'y a personne, tu continues. Ah. Vas-y. On y va, on y va. Allez, 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 on circule. Excuse me, je ne peux aller ni par ici, ni par là. Je recule, alors. Danger, danger. Oh. Catastrophe. Je crois que mon installation n'est pas tout à fait au point. Avec ça, tu ne risques plus de causer un accident. Et qu'est-ce que c'est? C'est un avertisseur de déplacement. Tu appuies ici deux fois si tu fais un déplacement risqué. Oh. On dirait Pétunia. Merci, Pixel. Mission accomplie. Et toi, Hercule? Qu'est-ce que tu as fait au Bipsou pour rendre ces déplacements plus sécuritaires? Vous allez voir. Mais avant, j'aimerais que Jingo, tu nous refasses ton saut. Hé, c'est vrai? Tu veux? Je peux? Avec le cadeau de Pixel, bien sûr. Oh, promesse de cow-boy. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jingo Boy et sa magnifique jument, Pétunia. Accident évité. Ton klaxon est très efficace. J'aurais dû m'en servir ce matin. Le Bipsou est parfaitement équipé. Comme moi. Avec ton super klaxon, tout Salmigondi va savoir quand tu pars. Et quand tu arrives. Fallait juste y penser.